Bon bah voilà pour mon petit outfit d'aujourd'hui. Par contre, attendez, on dirait vraiment que le truc il est pas repassé alors que je l'ai repassé genre 3 fois. Oh, c'est chiant ça. Bon enfin. Du coup, pour ma petite tenue d'aujourd'hui, je me suis pris un petit chapeau qui vient de chez Galerie Lafayette. Ensuite, je me suis pris mon petit sac. En vrai, vous le connaissez tous. Hein. Je l'avais acheté chez Zara. Il y a pas mal de temps, mais c'est vraiment genre mon petit bébé, je l'aime trop. Et la veste, bah, c'est aussi ma mère qui me l'a donnée. Sachez que ma mère m'a donné beaucoup de blazers qu'elle portait quand elle était jeune, donc j'en ai pas mal qui sortent de on sait pas d'où en fait. Donc je peux pas trop vous donner de référence, désolée. Et le t-shirt qui vient de chez H&M. Le pantalon avec les ouvertures aussi. Et les mocassins compensés aussi. Et du coup, voilà, ça fait une petite tenue un peu automnale. On adore. Donc là, on va aller manger notre petit déjeuner. Bon, même s'il est quand même relativement midi, mais bon, on a un peu décalé vu qu'on aime bien les grasses mat. Donc là, on va aller déjeuner dehors chez Meunier. Et après, on va aller faire du shopping parce que mon copain, il veut s'acheter une paire de chaussures. Et on ira sûrement après manger, je pense, une petite salade le midi. Voilà. Regardez, notre ascenseur, il est pas trop, trop stylé. Oh my god, il y a un chien. Il est minuscule. Mais au moins, il y en a un. L'avantage. Bon, gosse. Been friends since 1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. Years it would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play and rewind? Yeah, those other guys are true. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. I've been waiting on you coming like a wrecking ball. Crying on me, saying how they make you feel so small. Thank you.
trying to say the fun. C'est les valises de mes rêves, les gars, j'aime trop les paillettes. Waouh! Incroyable! Petite emplette. I love it. Mon copain, il a pris un hamburger avec une tarte citron meringuée. Et moi, j'ai pris un carrot cake. Si vous savez, bah, c'est mon préféré gâteau avec le cheesecake. Et bon, une bière pour changer. Et j'ai pris du saumon grillé, des pommes de terre, du riz et une sauce à la moutarde et à la crème. Et voilà. Il y a l'assiette à déchets là. En gros, on a Galerie Lafayette, mais je pense que je vais vous montrer quand même un peu Galerie Lafayette parce que j'aime bien filmer tout. Et là, en fait, je vous montre rien depuis le départ. Donc, je vais vraiment genre, vous montrer un peu plus Galerie Lafayette. En gros, il y a toutes les décorations de Noël. Du coup, je me suis dit, pardon. En gros, vu que je vais faire un vlog, genre une journée spéciale Noël et tout, et ben, je me suis dit, ça sert à rien que je vous montre maintenant les décos de Noël, alors que je vais faire un vlog de Noël plus tard. Mais je me suis dit, en vrai, on s'en fout. Voilà. Plus il y a de décos, mieux c'est. Donc, je vais vous montrer quand même un peu Galerie Lafayette, les décos qu'ils ont fait. Enfin, voilà, je vais vous montrer tout ça. Bon, du coup, on va y aller. On vous fait des bisous. Et on vous laisse avec la suite. Ah, ils font des trop beaux calendriers. Regardez. Oh, j'adore. Il y a même lui, là, il est trop mignon. Ça fait hyper vintage. J'adore. Angelina, ils ont fait un calendrier Angelina. Ah, palais d'été aussi. Oh, c'est cool. Ah, c'est trop bien. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years, it would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play and rewind? Yeah, those are the guys you choose. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. On va aller au quai des bouquinistes pour aller rien acheter parce que je lis pas, mais c'est beau, du coup on va y aller. Bon bah là on vient de rentrer, il y a genre 20 minutes, un truc comme ça, je me suis douchée. Je suis désolée parce qu'en fait quand on était en train de se balader sur les quais des bouquinistes, il était genre 16h30, 17h et on a fait genre le grand tour sur les quais du coup. Et en fait la nuit elle est tombée archi vite et c'est que quand il a commencé à faire nuit que j'ai fait... Putain, j'ai pas filmé. Et du coup, bah, je vous ai filmé les quais, mais il faisait carrément nuit, alors que quand on avait commencé la balade, il faisait toujours jour, quoi. Mais bon, voilà.
Voilà, du coup, je suis un peu désolée, mais en tout cas, j'espère que ma petite morning routine vous a plu. Voilà, moi, ma morning routine commence à midi 13h parce que quand je suis en repos, bah, je me lève très tard. En principe, c'est 15h, mais bon, j'ai quand même fait un effort aujourd'hui pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous aime fort et je vous embrasse.